Face à la crise qui a brassé le pays d'Haïtien, l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, lance un appel pour qu'elle retourne dans le pays d'Haïti. L'organisation internationale n'a pas caché préoccupation face à la situation, tension qui gagne dans le pays depuis quelques temps, côté population, c'est lui-même qui est la principale victime. Point ça, nous allons développer, rete branché, n'a pas tourné. Salutations à toutes super branchés nous, son plaisir pour entrer la carrière, pour nous porter vidéo information ça pour vous, non pas c'est Wilson Octavius. Nabzou, merci parce que vous branchez et soit peine fait ça, Nabzou, bienvenue. Jean-Di Alonso, l'ONU, qui c'est l'Organisation des Nations Unies, sorti dans le silence pour lancer un appel au calme face à la situation, tension qui gagne dans le pays d'Haïti. Organisation internationale n'a pas caché préoccupation face à la situation tension qui gagne dans le pays dernier temps. Côté li exhorté tout acteur qui concerné pour suspendre la violence dans le pays d'Haïti dans l'idée pour faciliter l'aide humanitaire et river jeune si là qui en a besoin. Nous connaissons Haïti depuis 1945, il fait partie des Nations Unies depuis la création de l'organisation. Et nous connaissons tout Haïti, c'est un initiateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui était voté en 1948. Donc depuis lors, il y a des relations serrées qui existaient en Haïti et les Nations Unies. Et relations ça a sous toute forme, il y a ces deux interventions humanitaires, il y a ces deux missions de paix qui viennent dans le pays. Et pendant qu'on a parlé de mission de paix, nous rappelons nous avons gagné MINUA à un moment de la durée, tu es venu gagner ministre et ministre lui-même c'était en 2004 le ancien président Jean-Bertrand Aristide était obligé de quitter le pouvoir. Donc, vous avez une mission des Nations Unies qui était pour être un ministre qui était présent dans le pays dans l'idée pour favoriser la paix et la stabilité. Donc, après 15 ans passés dans le pays, vous avez remplacé le ministre par MINUJUS et MINUJUS est venu remplacer par BINU qui actuellement c'est lui-même qui prend les règnes des Nations Unies en Haïti. Donc, mission principale BINU lui-même, c'est favoriser la bonne gouvernance et établir harmonie entre tout acteur politique. Mais par rapport à la situation Haïti a fait face, je dis, qui position Nations Unies, ou du moins ce qui lecture Nations Unies, fait de situation. Donc, on est BINU lui-même, en plus de mission liée pour favoriser la paix, stabilité, bonne gouvernance dans le pays. Mais BINU tout, liée mission pour remettre rapport lié à Nations Unies sous évolution qui gagne dans la situation pays d'Haïti a fait face. Or, nous connaissons la situation pays a fait face aujourd'hui, son situation d'insécurité qui résulte de crise politique, crise économique, crise sociale qui gagne dans le pays en côté, où la population est censée aller pour contre lui, c'est gang qui a fait la loi, c'est gang qui a coupé raché. Donc, Nations Unies lui-même, lui dit, lui consterné, lui préoccupé par rapport à la situation d'insécurité ça côté ces populations qui payent pour casser. Et faut pas oublier Nations Unies a intervenu dans différents domaines dans le pays et surtout avec organismes déconcentrés qui c'est PAM qui c'est FAO qui c'est UNESCO qui c'est UNICEF et donc toute entité ça qui fait partie de Nations Unies dans différents champs il a évolué donc il y a une lecture de situation qui donc Nations Unies automatiquement au courant de tout ce qui a passé dans le pays. Mais maintenant, par rapport avec la situation de sécurité qui gagne, nous avons des Nations Unies dit qu'ils préoccupés et faut acteurs qui concernent yo suspendent avec violence. Et là, pour que les gens qui sont en situation difficile ou du moins en situation de détresse pour capable jouer une aide humanitaire. Donc, par rapport à la situation difficile, surtout la situation de sécurité, Haïti a fait face là. Donc, Nations Unies, même gens avec autorité haïtienne, ont identifié auteur qui sont censé responsable. Et phénomène insécurité ça quand tout côté passé dans pays c'est de foyers de bandits et yo gen zam nan meyo et Nations Unies au même titre que gouvernement haïtien yo connaît côté zam sorti vinn nan men et on série de moun qui nan surtout dans zone précaire surtout dans zone défavorisée yo donc yo connaît côté zam nan sorti yo connaît comment on fait zam nan meyo et yo connaît qui moun tout cap fait violence sur population mais est-ce que Nations Unies les même cas juste contenté pour dire préoccupé face à situation de sécurité cap brasser bill population donc est-ce que c'est ça seulement Nations Unies capable prendre comme position pour exprimer préoccupation face à situation de tension ça nous connaît crise qui gagne dans pays hein il était maintenant au niveau sécurité au niveau politique au niveau économique nous connaît normalement faut un engagement de tout acteur nous voulons parler de l'État en particulier nous voulons parler tout de Nations Unies parce que il est présent dans pays hein il y a différents instances qui présent dans pays hein qui travaillent surtout dans de ONG OK donc il y a même il connaît réalité au constant de réalité il connaît qui action tu as déposé pour porter de solutions pour atténuer
et tension qui gagne dans le pays. Parce que tension qui gagne là, ce n'est pas seulement les gens qui ont des armes qui sont à la base. Ou jeune tout, son situation économique qui vient de faire une crise profonde dans le pays, en côté où jeune population qui est livrée à lui-même. Ou jeune l'État qui délaisse la population et qui a ces gangs qui ont fait la loi, qui ont fait peur, qui ont fait quitter la zone côté où ils habitent, qui ont tué, qui ont brûlé. Donc l'État lui-même est censé oublier les gens, les quitter les gangs, les couper les rachets. Mais les Nations Unies lui-même, à travers le Conseil de sécurité, ne va jamais cacher préoccupation par rapport à la crise. Et au cas où, au plus haut niveau, et de l'organisation, où il y a un secrétaire général des Nations Unies, qui c'est Antonio Guterres, lui-même tout, à maître prise, de toujours exprimer préoccupation li, et face à la situation qui gagne un pays. Et à même bon époque, il était visité pays pour lui-même personnellement faire état de situation qui gagne là dans le pays. Et après, visite les conclusions de la situation est grave. Et c'est ça qu'il faut. Pour un cadre plan qui a été mis en place, qui est un plan mondial, qui peut être un ODD, qui veut dire objectif de développement durable. Donc, dans le plan, ça a intégré Haïti pour que Haïti soit capable de sortir d'un niveau sous-développement lié aujourd'hui. Donc, on a tout un plan qui a été exécuté dans le pays, qui est le plan stratégique de développement d'Haïti 2010-2030, que les Nations Unies c'est une partie pour nous. Donc, à travers le plan, ça, il y a deux orientations que vous allez prendre. Mais en attendant, la situation est grave dans le pays et c'est bien dommage pour ni le gouvernement haïtien ni les Nations Unies c'est déplorer, il y a déploré la situation qui est là. C'est constater, ou juste fait que constater que gang yo ont empêché la population, ils ont violé les droits de la population constamment et chaque jour. Malgré une déclaration universelle de droit moun qui dit mais comment moun doit vivre, mais comment l'État doit protéger les citoyens, mais comment l'organisation internationale, l'instance internationale ça doit contribuer dans le cadre respect ou dans le cadre application déclaration universelle de droit de l'homme. Donc on est depuis le Haïti en 1945, il a participé à la création des Nations Unies. Donc Haïti son membre fondateur Nations Unies à part entière. Donc, une série de décisions qu'a prises les Nations Unies, Haïti toujours présent. Maintenant, Haïti a fait face avec une situation difficile où j'ai une Nations Unies lui-même qui dit juste préoccupé par rapport à la situation qui gagne aujourd'hui. Hein. Sans que vous n'ayez pas fait d'exigence à l'autorité haïtienne pour mettre un plan en exécution pour réduire la tension qui gagne dans le pays hein, et pour réduire l'inégalité qui gagne, qui c'est une principale cause insécurité dans le pays d'Haïti. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies est toujours informé de la situation dans le pays. Il connaît la quantité de groupes armés qui gagnent et il connaît tout pour déloger les groupes armés, pour retirer les armes dans le pays. Il y a un ensemble de moyens logistiques que l'État doit disposer pour être capable de rétablir la paix dans le pays. Mais est-ce que c'est l'autorité haïtienne qui n'a jamais un plan qui peut proposer avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ta faire de intervention dans une zone stratégique et sensible, pour ta faire de intervention là-dedans pour ta rétablir la paix. Est-ce que c'est plein ça, autorité, pour que jamais qu'à soumettre le Conseil de sécurité des Nations Unies qui fait pas jamais une décision qui prend, nous ne connaissons pas. Mais en attendant, les Nations Unies même les ont constaté et demandé à les gens pour une violence, aux gens qui ont fait violence sur la population, pour suspendre, pour aide humanitaire qui arrive, jouer les gens qui ont besoin. Situation li grave dans le pays hein, et Jean qui a présenté l'assemblée solution, ce n'est pas pour demain. Parce que toute entité qui est censée responsable pour élaborer des plans clairs, bien définis, pour établir la paix dans le pays, hein, pour permettre à Mounio vivre avec une quiétude d'esprit, pour permettre à Mounio, j'ai encore dit, car on la paix dans la tête, on la paix dans le ventre, nous ne pouvons pas faire ça, ni bon côté autorité haïtienne, ni bon côté autorité et on dit entité qui est dans les Nations Unies. Tout le monde est d'accord, ce n'est pas les Nations Unies qui proposer à Haïti un plan pour mettre la sécurité là. Mais les Nations Unies, quelque part, ils ont de soutien, ils ont de apport, ils capoter avec Haïti parce que Haïti, c'est un membre fondateur organisation. Donc, tout ce qui a passé en Haïti, il concerne non seulement les Nations Unies, mais il concerne le Conseil de sécurité des Nations Unies en tout. Parce que je dis, on a fait face avec une situation sécuritaire qui est grave. Donc, il y a de nécessité pour qu'il y ait des actions concrètes qui posent. Donc, ce n'est pas juste. Et constater, ou c'est pas juste consterné, c'est pas juste déplorer ce qui a passé. On a été en côté, on a assisté avec une population qui laisse pour contre lui, qui est obligée à fuir aux zones côté autorité avec à cause violence gang. Donc là, nous avons besoin de plans bien définis pour capable résoudre le problème. Ça. Et les Nations Unies, à travers le bureau intégré dans le pays,
qui est mission pour établir harmonie dans la classe politique là et puis favoriser bonne gouvernance. Donc sûrement Binu ni toujours soumettre rapport li à secrétaire général des Nations Unies qui c'est Antonio Guterres qui lui-même à plusieurs reprises montré comment li concerné face à la situation pays d'Haïti a fait face journée jeudi. Donc là par rapport à position des Nations Unies et face à la situation d'insécurité qui gagne dans le pays, qui ça nous attend. Donc là, c'est le gouvernement haïtien qui peut définir une stratégie. Donc, une situation comme ça, il juste à faire payer, descendre plus fond dans l'abîme. Pas qu'il y ait investissement non payé à cause de l'insécurité. Population pas qu'à vivre dans la paix à cause de l'insécurité. Et qui est-ce qui est responsable de la sécurité pays? C'est l'État en premier chef. Et qui est tout cap commettre des insécurité dans le pays? Tout le monde connaît, il y a parlé de yo, il a dit, mais qui est-ce? Mais qui m'ont fait zam entrer dans le pays, mais leurs amis ont entré, mais comment le distribuer, mais qui est sous bayo, et donc moun yo bayo, mais qui action opposée à elle, et action opposée à elle, c'est des actions qui mettaient en péril, cap compromettre l'avenir pays, cap compromettre l'avenir population, cap appauvrir pays davantage. Donc là, il est de bon ton pour autorité haïtienne, établir une synergie avec autorité non Nations Unies, et spécialement Conseil de sécurité des Nations Unies, et BINU qui présentement dans le pays. Donc, pour qu'on définir une stratégie, définir une formule, pour que ce n'est pas constaté, il y a constaté seulement les dégâts, ou du moins, on peut déplorer ou bien préoccuper par rapport à la situation qui gagne dans le pays, je dis. D'ailleurs, par rapport à la situation qui gagne dans le pays, je dis. Donc, les Nations Unies disent qu'ils préoccupent face à la situation. Les Nations Unies disent qu'ils préoccupé face à la situation qui gagne jodi dans le pays d'Haïti, surtout situation d'insécurité, et li exhorter tout acteur qui a prêché violence, qui se promoteur violence, qui a fait violence sous population, li mande yo pour ressaisir. Donc c'est point ça nous avons développé pour jodi. N'a dit merci parce que vous avez attendu nous, et n'a dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.